Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Alléluia. Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante d'espoir, votre étude, maintenant arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Nous allons remercier Dieu, n'est-ce pas, pour son amour. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons encore merci Seigneur pour la vie, le mouvement, l'être, la respiration que tu nous as donné, tu nous as protégé. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste d'illuminer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en fait tu nous mérites. Mais au nom de Jésus, ton fiction, parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, vous qui n'avez pas encore abonné, je vous encourage, n'est-ce pas, à vous abonner, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Je vous remercie parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Donc Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc, nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques. Le vendredi et le dimanche, nous étudions le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet. OK? En quelque sorte, nous avons un nouveau sujet qui est la nature de l'homme après la chute. La nature de l'homme après la chute. La nature de l'homme après la chute. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. La nature de l'homme après la chute. À l'origine, l'homme était sans péché. Ça, c'est vrai. À l'origine, l'homme était sans péché. Nous avons déjà vu ça, n'est-ce pas, à l'étude 26. L'homme était sans péché à l'origine. Malheureusement, Adam et Ève ont péché et ont brisé les relations avec Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse 2, verset 17, Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça l'Éternel te dit Adam. Il dit qu'on mange tout pied bois que ton jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, je mange ou ap mouri. C'est ça le dit. Je mange ou ap mouri. Automatiquement, Adam et Ève mangent à connaissance bien et mal là. Et bien, ils mourent spirituellement. La mort, ça c'était la mort spirituelle. C'est pas la mort physique, mais c'était la mort spirituelle. Donc, Adam et Ève ont péché. Et ont brisé les relations avec Dieu, relations avec mon Dieu, les briser, les couper. La question qui nous concerne est de savoir si les chutes a eu un impact sur la race humaine. Question, c'est que ça lié. Question qui concernait, non? C'est pour nous connaître si chute a eu un impact sur la race humaine. Ça, nous ne pouvons pas aller loin. Nous avons vu ça clair devant, non? Chute Adam et Ève là, il y a un impact sur la race humaine. Parce que c'est parce que Adam t'est péché, OK, qui fait journée aujourd'hui, il y a la mort qui fait apparition dans le monde là. Donc parce que la mort physique c'est conséquence péché adamique là. Et la mort Adam li n'est capable dit disons rend tout le monde qui sorti en Adam yo péché tout et yo mouri tout. Donc, nous dit ici, certains affirment que non. Ça nous dit là, il y a un monde qui affirme que non. Ça veut dire que, et nous avons dit, chute Adam n'a pas un impact sur la race humaine. Certains affirment que non. Les chutes n'auraient aucune influence sur nous. Ça, la Bible démentit clairement. D'autres croient qu'Adam nous a légué une nature pécheresse et même une condamnation. Ça c'est sûr,
eh bien, à cause péché adamique là, eh bien, nous condamnés en Adam, maintenant pour nous capables de sauver, maintenant pour nous gagner la vie éternelle, faut que nous sortions en Adam pour nous capables d'entrer en Christ. Donc, qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Et qu'on fait Adam et Ève? On regarde qui ça, bon Dieu, t'a ordonné avec Adam et qui ça, Adam et Ève, t'a fait. On regarde dans Genèse 2, verset 15, 17. Regardons ensemble Genèse 2, verset 15, 17. Genèse 2, verset 15. Nous lisons ainsi, verset 15. Il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. Il prend l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il prend Adam, il met dans le jardin pour capable cultiver le jardin et pour capable garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Mais l'ordre dans l'Éternel te baille Adam. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, où capable de manger? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, car, il a raison, hein? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jour manger. Après son bien ak mal la, li di wap moui. Qu'est-ce que Dieu avait ordonné à Adam? Li te bay Adam l'ordre, li di, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais di, tu ne mangeras pas de l'arbre des connaissances du bien et du mal. C'est l'ordre ça te bali. Et qu'on fait Adam et Eve? Qu'est-ce que Adam et Eve yu te fait? En nous regarde Genèse 3, verset 6, 8. Genèse 3. Li di, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Serpent, Satan entré dans serpent, il vient pour mettre doute dans cœur Ève, il dit, est-ce que bon Dieu te dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Bon Dieu dit que vous allez manger tous les arbres du jardin. Satan même dit, est-ce que mon Dieu te dit réellement, vous ne mangerez pas, Satan va parler à la forme négative, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il dit, est-ce que mon Dieu te dit, pour ne pas manger tout le jardin, bon Dieu dit pour manger tout le jardin. Mais Satan même dit, est-ce que mon Dieu te dit réellement pour ne pas manger tout le jardin. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Bon Dieu dit, mourir. Serpent, il dit, non pas mourir. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Il dit, messieurs dames, il dit, Ève, bon Dieu connaît, alléluia, Dieu sait, que le jour, bon Dieu connaît le jour qu'on mange, Zoua venu vous. Et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il dit, Ève, vous venez tant que bon Dieu, et vous venez connaître bien et mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Vous ça vous fait? La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Fia. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Femme apprend à manger, il dit à Adam, il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ça c'est vrai, il te dit yeux à ouvrir, il a connaît bien avec mal. Il te dit ça vrai. Il dit yeux où l'autre vient ouvrir, il connut qu'ils étaient nus. Il connaît qu'ils étaient tout nus, ayant cousu des feuilles de figuier. Et ils s'en firent des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ils entendirent voir mon Dieu qui marchait dans le jardin. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu est au milieu des arbres du jardin. Question. Quelles sont les conséquences? Quelles ont, il dit, question, qui ça a été fait? Et il dit, et qu'on fait Adam et Ève? Non, c'est toi qui ça? Il t'est fait.
Nous se trouvons que ça a été fait. Il désobéit l'autre bon Dieu Bayo. Bon Dieu dit si on mange l'ap mourir. Satan vient dire si on mange le pape mourir. Il désobéit à bon Dieu pour être capable d'obéir à Satan. Donc, quelles ont été les conséquences? En regard de Genèse 3, verset 16, 24, pour nous avoir les conséquences là. Quelles ont été les conséquences? Genèse 3, verset 16, 24. Verset 16, il dit à la femme, mes conséquences là. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Et tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. L'Éternel baille chaque monde sentence, li baille femme nan sentence. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé des labes, au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Li baille l'homme nan parle. Le sol sera maudit à cause de toi, force de peine que tu entureras ta nourriture tous les jours. Ça avec force ou ça avec peine, on peut tirer manger dans terre pour capable manger. Verset 18, il te produira des épines terre, la produit piquant, des ronces et tu mangeras des labes des champs. Verset 19. Il dit c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Il dit Adam, ou c'est poussière et ou retourner dans la poussière. Verset 20, il dit Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à la femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Par la puissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre des lattes de vie, de manger et de vivre éternellement. Ok? L'Éternel met ton ange, met ton pinga, il dit, empêcher le kounia pour l'avancer même, pour le prendre l'ab de via, pour le manger et pour le vivre. Il dit, ouais, en empêcher le prendre l'ab de via, parce que si vous mangez l'ab de via, il va vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il a été pris. Verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous souhaitons conséquences. Il y a chaque conséquence. Il y a femme dans conséquence. C'est clair, il me saute montrer là, il y a une femme dans conséquences et il y a Adam propre conséquence pâle et il y a ses propres conséquences pâle. Donc y a-t-il une conséquence en lien avec notre nature? À la naissance, sommes-nous bons ou mauvais? De nos faits, est-ce que nous sommes bons ou bien nous mauvais? La Bible clair sur ça? Eh bien, il dit nous mauvais parce que nous sommes descendants Adam. Nous sommes descendants adamiques, eh bien nous mauvais. Est-ce notre environnement qui nous corrompt? Est-ce que c'est l'environnement qui nous corrompt? Non. Ou est-ce notre nature de péché? Eh bien, nous corrompt depuis notre péché, non? Nous corrompt. Parce que David montre ça dans Psaume 51, verset 7. Dans Psaume 51, verset 7, David montre ça. En nous garder pour nous montrer où? Côté David montre ça dans Psaume 51, verset 7. Psaume 51, verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité, me fait dans le péché, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ok? Et ma mère m'a conçu dans le péché. Psaume 58, verset 4. Psaume 58, verset 4. Il dit, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Méchants, les pervertis depuis dans votre maman. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel.
Les menteurs s'égarent au sorti du ventre de leur mère. Pour continuer, Éphésiens 2, verset 3. Nous lisons ainsi. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il est clair, texte à mouton dit, est-ce notre environnement qui nous corrompt? Est-ce notre environnement qui corrompt? Non. Ou est-ce notre nature de péché? Maintenant, ce n'est pas environnement qui corrompt, non? Est-ce notre nature de péché? Maintenant, ce n'est pas environnement qui corrompt, non? Nous faisons même avec nature péché. Non. Ok. Maintenant, en plus de recevoir d'Adam, alléluia, une nature pécheresse, devons-nous comprendre que nous recevons aussi sa condamnation? Est-ce que toute la race humaine est coupable devant Dieu à cause d'Adam? En nous regardons Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18, il dit comme ça, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Telle offense, condamnation, il y a atteint tout le monde. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Béni soit l'Éternel. Il dit la justification, ça veut dire texte là, il est bel et bien clair. Texte, Romains 5, verset 18, il dit que ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation, il était atteint tout le monde. Une seule offense, il atteint tout le monde. Il dit, pour continuer, il atteint tout le monde. Il continue pour dire, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc, s'étend à tous les hommes. En nous regardant dans 1 Corinthiens 15, verset 21-22. Il dit, car puisque la mort est venue par un seul homme, qu'est-ce qu'il dit avec la mort? Adam. Il dit, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Il dit, c'est ainsi, puis ceux qui appartiennent à Christ. Il est venu, n'est-ce pas, par un seul monde, et c'est par un seul monde ça que la résurrection entre les mêmes est venue. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Comme tout le monde est mort en Adam, et bien en Christ, il revive. Mais chacun en son sang, Christ comme princesse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, il viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père après avoir détruit toute abomination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses
masse bien. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis. Nous étions sans force. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Béni soit l'Éternel. Est accepté. Autrement, il dit, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Les morts ne ressuscitent absolument pas. Les morts ne ressuscitent absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, c'est pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Avez-vous du mal à croire que la culpabilité d'Adam nous a été imputée, c'est-à-dire mise à notre compte? Est-ce injuste? Pourtant, c'est de la même manière que la justice de Jésus nous est imputée. C'est l'innocence de Jésus, son obéissance parfaite, qui est mise au compte du croyant. Puisque nous sommes coupables dès la naissance, et qu'en plus, nous aurons, alléluia. Il dit puisque, dans le texte à côté de notre lire, il dit, pourtant, c'est de la même manière que la justice de Jésus nous est imputée. C'est l'innocence de Jésus, son obéissance parfaite qui est mise au compte du croyant. Puisque nous sommes coupables dès la naissance et qu'en plus, nous recevons une nature pécheresse qui nous pousse à pécher. Pouvons-nous conclure que nous ne sommes pas responsables de nos fautes? Est-ce qu'on est capable de répondre? Est-ce qu'on est capable de dire que nous sommes responsables de nos fautes? Non. En nous regardant dans Hébreux 4, verset 13, va répondre à cette question. Hébreux 4, verset 13, il dit, Jésus est un souverain sacrificateur. Et à ceux de l'ancienne alliance, son sacerdoce, semblable à celui de Melchisedec, subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. La solution. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Hébreux 4, verset 13. Il dit, Jésus est un souverain sacrificateur. Alléluia. Supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Ok? Il dit, verset 13. Il dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Grâce créature n'est pas cachée devant lui. Il dit, mais tout est à nu. Tout bagaille devant mon Dieu. Tout bagaille devant mon Dieu clair. Et a découvert aux yeux de celui qui dit, aux yeux de celui à qui nous devons alors rendre compte. Pour continuer. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce qu'il y a avec le péché? Adam. Le péché est entré dans le monde et par le péché. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous sont péchés. Romains 5, verset 12, il dit, la mort étend les ouvertes zèles sur tout le monde. Et qui s'est fait les ouvertes zèles sur tout le monde? Parce que tout le monde péché. Béni soit l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir.
Dieu va continuer à vous restaurer. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, restez avec la compassion de Dieu. Partagez mes études sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, pour inviter beaucoup plus de gens, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine pour une nouvelle étude. Amen.